Et y'a tout le monde, c'est Delta Dracon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, et cette fois-ci on va partir en Red Zone contre Bojack, donc Red Zone film. Et on va prendre une team Saga du futur, parce que je sais que c'est une team qui résiste bien, qui cogne fort, et on va voir si on y arrive, parce que j'ai aucune idée de ce que ça donne les Red Zone. J'ai juste fait celle des Dragons Maléfiques, à l'époque où c'était sorti. Mais j'ai pas touché aux autres Red Zone. En fait, je ne sais pas, je sais clairement pas faire les Red Zone. J'ai jamais prêté attention surtout, donc on verra ce que ça donne. Donc on a une rota un petit peu pas terrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais galérer à le faire partir en spé, en fait, en spé ultime. Merde, je l'ai envoyé sur le puits, tant pis. Je l'ai envoyé sur le puits parce que j'ai pas fait attention. Mais voilà, j'ai Zamasu, je sais pas sur qui l'envoyer. Je vais le faire tuer Zanga. Je sais pas du tout si des ennemis cognent fort. Ils cognent fort. La question c'est, est-ce que mon équipe a le tank? En tout cas, j'ai des petits problèmes de dégâts à cause du fait que j'ai pas envoyé sur le bon. Oh, petit 3 millions quand même. C'est pas dégueu. Bon, normalement, la team Goku Vegeta devrait faire pas mal de dégâts sur ce perso vu qu'ils sont de bonne affinité. Ok, du 3 millions. Deuxième spé. Oui, je vous ai pas monté pour rien. Et surtout, je vous ai pas drop pour rien. J'ai pas été vous chercher plus que dalle. Hop, voilà. Lui, on n'en parle plus. On va taper Zanga. Ah c'est, il est pas mort. Oh shit. Oh, ça fait une espèce de gâchée ça. Bon, ça fera quelques... Ouais. 270 000 sur Zanga, c'est pas terrible. Normalement Zamasu il prend pas... Enfin Kata il prend pas du tout de dégâts. Puisqu'il a la résistance aux dégâts normalement. Ensuite... T'as vraiment fait que ça en dégâts. T'as tapé qu'une fois. T'es un enfoiré. One eternity later. Putain. Ah, le mien est mieux. Hop. Non. Est-ce que tu peux partir sur le end? Eux, ils vont foudroyer le tech. Lui, Inch'Allah, si le end il est pas mort, il va taper le end. Bon, normalement, Gohan, si je dis pas de bêtises, il a de la réduction de dégâts. Donc, on risque pas de prendre trop cher sur cette rotation là. Par contre, ce serait bien qu'ils prennent giga cher. Normalement, il attaque plusieurs fois. Hein. Je crois que c'est 2 à 3 fois. Je sais plus selon comment tu le places. En même temps, comment on peut retenir des active skills sur Dokkan quand les active skills sont plus longs que l'intégralité de Harry Potter en livre? Ah, parce qu'au bout d'un moment. Oh, les gars. C'est usant quoi. Fais ceci, point virgule, fais cela, point virgule, fais ceci, si cela, point virgule, fais ceci, si ceci, point virgule. Bon, c'est bon. Et ils ont 15 effets par passif. Ah bah, au 10 ans, on a un dictionnaire à lire hein, pour les active skills des persos. Ah oui, c'est sûr. Donc tu vois que aujourd'hui pour un active skills, enfin pour un passif, c'est 14 lignes. Wow. Et du coup, quand tu te retrouves avec des mecs qui ont 4 lignes, t'as l'impression qu'ils font rien. Alors que pourtant, des fois, ils ont 4 lignes, mais ils sont pas mauvais. Hein. Même des unités. Comment? Des unités filler. C'est long. C'est long à lire. En plus, c'est pas pratique, faut rester appuyé pour tout lire. Ta gueule, Gatai, je pars. Je sais que t'as une très belle animation. Maquet, comment il est fait? Eh ben, on va faire partir ça comme ça. Toi, tu vas me foudroyer le hint. Toi, tu vas me foudroyer la tech. Ouais, je disais même des unités qui sont. Les unités filler là, je sais pas comment dire les side units, voilà. Eh ben, celle-ci. Même elles, elles ont 15 lignes à lire.
Je pense au. Au Mai, au Gatai. C'est long. Faites un soutien. Dites, il esquive à 50%. Au lieu de. Au bout de deux attaques, augmente l'esquive. Max 50%. Voilà, t'as déjà perdu deux lignes. T'as galéré à lire. Oui, ça me saoule. Oui, je me. Du coup, tu fais une team comme j'ai là. Tu peux pas retenir tout ce qu'ils font, hein. À moins que tu tryhardes vraiment et que tu retiennes tout. Mais moi perso, je retiendrai jamais tout. Bon, notre ami. On va mettre un petit whiz parce que je sais pas s'il tape fort. Gata, il a beau avoir la résistance aux dégâts, à tout moment, ça part en kick out. Je vais laisser ça pour le truc, enfin, le tour d'après, le skill de Vegeta Trunks. On est sous Whis pendant 2 tours. Donc, normalement, on devrait pas prendre trop cher. Par contre, ce serait bien de faire quelques dégâts. Après, il se démerde comme il peut parce qu'il est un peu en contre-affinité. Oh, le petit 4 millions qui fait please. Normalement, Gohan, il attaque minimum 2 fois, je crois. Ah, fallait que ça tombe sur. Normalement j'ai réduit les dégâts donc voilà, j'ai quasiment rien pris. Allez, coucher. Voilà. C'est clairement des unités qui sont larges au-dessus de ce qui était demandé pour ces red zones là au moment de leur sortie. Évidemment, je l'ai fait un petit peu tard. Ce Gohan, c'est une dinguerie. Les gens étaient déçus de pas voir Black Goku. Je peux comprendre en soi. Mais ça crachait un peu sur Trunks et Gohan en mode bah c'est pas à ma blague, je skip. Et je ne cesserai de dire que cette célébration n'était pas mauvaise. Elle n'était pas. Comment je peux dire? Elle n'a pas plu à tout le monde parce qu'elle n'était pas dans les attentes de la plupart des joueurs. Ce que je peux comprendre. Mais elle reste pas mal. Hein. Est-ce que vous deux vous avez pas mal? Ouais, vous deux vous avez beaucoup de liens ensemble. Je crois qu'elle était pas dans les attentes des joueurs. En même temps, tout le monde attendait un Black Goku. Il n'y a pas eu de Black Goku. Ça peut se comprendre. Mais de là à dire que c'était vraiment de la merde, parce que j'ai vu des gens dire que la célébration était éclatée. Les gens sont en mode célébration flop. La célébration elle est pas mauvaise. En fait, je regarde pas. Je vous avoue, je regarde pas les stats, les chiffres. Hein. J'ai pas l'impression que ça ait plus flop que d'habitude. Là, je vois, il y a Ribrian LR qui sort. Waouh! Qui aime Ribrian? Il doit être deux sur Terre. On vient d'avoir le LR Docteur Willow. Qui se souvient de Docteur Willow? Bah, je dis ça, mais il y en a, je suis sûr, qu'ils ne connaissent même pas Docteur Willow. Je pense qu'il y en a qui jouent aujourd'hui à Dragon Ball. Ils n'ont jamais vu le film 2. Avec le Docteur Willow. On a pas des persos incroyables en ce moment. Hein. Donc moi, je me contente de peu. De ce qu'on a. Oui, l'assistas. Ah. Est-ce que tu l'actives sans me demander? D'accord. Oui, allez, plus vite. C'est long là. On va se mettre Whis. Vas-y, défonce-le. Défonce-le. L'active skill, il est incroyablement beau. Bon, je ne peux pas changer de position, lui. Ce qui m'emmerde un peu. Après, ils partent quasiment tous. Ouais, bon, ils partent tous en spell team. Par contre, il n'y a que le violet qui part pas en spell team. À 24 de ki. Tant pis. Lui, ça reste une dinguerie. J'ai chopé un doublon sur le portail de Goku. Et je vous avoue, j'aime beaucoup ce Zamasu. Ce Gatai. Je l'aime beaucoup. Ces SP sont quand même relativement jolis.
Ah, ça m'emmerde. Après, il est en contre-affinité, donc il devrait pas me faire tant mal que ça. Ah, j'espère. Ah ouais, waouh. Quelle galère. Ah là là. Alors j'aurais aimé plus de spé qu'au Gohan quand même. Et boum. Oh le 8 millions dans la gueule. Wesh. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Bon c'est long tout ça hein. T'as compris, vous avez des active skills, tout ça. Hop, on va faire ça. Bam, et ça fait 10 millions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le... le skill de... de Trunks. Ah, tu fais pas de dégâts toi? Nul. Ah, c'est un standby qui l'ont, ce qu'il en. Donc forcément. Normalement ça devrait le one-shot. Non? Ah voilà, ça la one-shot. Et ben voilà, ah, ici la petite red zone. On va aller invoquer les tickets par la même occasion. Parce que normalement on a des tickets si je dis pas de conneries. Enfin n'importe quoi, je fais du bruit avec mon pied sur ma petite boîte là. Ok, normalement je devrais avoir des trésors, voilà, enfin des gems. Alors, hop. Du coup, on va aller invoquer ces petits tickets. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir sur les tickets des Red Zone Films comme ça. Ah. 100%, 100%, 100%. Je ne sais pas 100%. Cela, je sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le détecteur en perso. Est-ce qu'on peut avoir des LR? J'en sais rien. Donc on verra. On verra déjà si on drop quelque chose. On drop quelque chose. Mais maintenant, quoi? Parce que si c'est pour une unité que j'ai 100%, bah ça vaut pas la peine. J'aurais bien mis le SS Gigode. 3 persos, ça aurait été cool. Alors, dis-moi tout. Jaco. Ok. Gohan, c'est pas lui. C'est toujours pas lui. C'est toujours pas lui. Si lui, je sais pas si je l'ai 100%. Attention, Zeus Benz. Je l'ai pas 100%. Qu'est-ce qu'il fait lui quand il est monté? Oh lolo. C'est nul tiers. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce,